Joyeuse Pâques, petit hérisson. Petit hérisson et ses amis partent à la chasse aux œufs de Pâques. En chemin, ils rencontrent Maman Cane qui a bien du mal à surveiller ses petits. La joyeuse bande saura-t-elle retrouver les canetons perdus et les œufs de Pâques? C'est Pâques! S'écrie Petit Hérisson en enfilant son bonnet. Prêt pour la chasse aux œufs? Répond en chœur la famille Mulot. Alors, c'est parti, déclare Filou le renard. Filou n'hésite pas à chercher très haut. Oh! Des bébés oiseaux! S'émerveille-t-il. Mais il n'y a pas d'œufs de Pâques dans ce nid. Rien ici non plus, constate Lapin Coquin. Mais quelque chose attire l'œil de Petit Hérisson. S'exclament Amélie et Marcel Mulot. Je vous l'offre. Décide gentiment Petit Hérisson. Écoutez, les interrompt soudain Théo. Vous entendez ce bruit? Ça fait suivez-moi. Qui s'agite dans les hautes herbes de la prairie? Cinq petits canetons trop mignons. Les amis sont tout attendris. On dirait des petits pompons jaunes, plaisante Lapin Coquin. Quelle jolie surprise! Glousse Petit Hérisson. Bonjour, les salue Maman Cane. Nous allons nager, mais mes petits sont attirés par tout ce qui bouge. À ce rythme, nous n'atteindrons jamais la rivière. On va vous aider, Propose Petit Hérisson. et on cherchera les œufs de Pâques en chemin. Grâce à Petit Hérisson et ses amis, les canetons avancent en file indienne sans se disperser. Et bientôt, la rivière est en vue. Se réjouit Maman Mulot. On y est presque, annonce Maman Cane. Regardez bien où vous posez les pattes. Dès que les canetons aperçoivent l'eau, ils se dandinent pour s'en approcher. Sauf les deux derniers, qui se sauvent dans une autre direction. Arrêtez! Les appelle Filou. Pour les retrouver, les amis escaladent les troncs d'arbres et fouillent chaque buisson. Sous des branchages, Lapin Coquin déniche un bel œuf, mais pas le moindre caneton. Où sont-ils donc cachés? S'étonne Filou. Crie soudain Amélie Mulot. Le petit groupe se précipite, écartant les brindilles et les ronces. Mais toujours pas de caneton à l'horizon. Vous aviez dit qu'ils étaient là, grogne Filou. Aucune trace d'eux, se désespère Lapin Coquin en reniflant partout. Pleurniche Amélie. Ne nous énervons pas. Suggère Petit Hérisson. Tendons plutôt l'oreille. Vous n'entendez pas comme un léger chip-chip? Oui, c'est bien un des deux canetons. Ah, te voilà! Dit Petit Hérisson en le déposant dans son bonnet. Merci, caquette Maman Cane. Mais que vais-je faire des autres? Pendant qu'on cherche leurs frères. On peut tous les mettre dans mon bonnet. Propose Petit Hérisson. Grâce à cette solution, les recherches reprennent. Quand tout à coup, au milieu des roseaux,
petit hérisson fait une merveilleuse découverte. Venez voir ! Crie-t-il. Caché dans les herbes, il y a 3 œufs de Pâques. Et là, niché au milieu des œufs, qui s'est endormi ? Le petit caneton perdu ! Hourra ! S'exclame maman Cane. Tu l'as retrouvé, petit hérisson ! Avec les derniers œufs de Pâques ! Se réjouissent Marcel et Amélie. Joyeuse Pâques ! Dit petit hérisson avec un grand sourire.